sortir. Écoute. J'étais tout petit quand j'ai commencé à la musique. J'ai commencé tout petit. Il s'appelle improvisé. Vous n'avez jamais écouté ce morceau. Il s'appelle improvisé. Ne pleurez pas, parce que c'est que beaucoup vont pleurer. Comment les gens qui écoutent mon histoire? Maintenant, on s'est quoi mieux? Allez, là, là, viens là, on n'est pas Djaoudi. Tous les jours, mon papa me frappait. Parce que je touchais aux instruments de musique. Je n'ai jamais compris pourquoi mon papa me frappait. Un jour il m'a botté. J'ai décidé de partir. Je ne me sentais pas aimé. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans la rue. Et par un peu me sentir. Mais j'ai décidé d'arrêter. Parce que j'aimais vraiment la musique. C'est Dieu seul qui m'a protégé. Ma maman marchait avant. Avec un John Pololo. Ma maman avant était dans tous les mouvements de Mouchi. Ils ont dit ma maman était bordelée. C'était une pute. Lorsque je partais à l'école, on dit voici la fin de la pute là. J'ai donc décidé d'aller à l'école. Je me suis concentré sur la musique. Et là j'ai pris la rue. Arrivé dans la rue, j'ai tourné sur les tables du marché. À force de faire ça, j'ai grandi mollo. Un garçon doit souvent baiser. Je me poussais l'ego de la rue princesse. Je lui donnais la grise. Les symptômes, les 1500. En ce moment j'avais 12 ans. Et puis j'ai baisé Djanjou. En ce moment j'avais 12 ans. Et tous les DJ refusaient que je sois avec eux. J'ai galéré. On est bon. J'ai galéré. C'est dans ça là un jour. J'étais dans un petit maquis. J'étais en train d'enregistrer une cassette pour un vieux père. Il m'a dit que tu fais ma cassette. Faut que les Atalakou. Je vais te donner 2000 francs de fond. A cause de ça j'ai fait la cassette. Ok mon père. Y'a un nouveau maquis qui est ouvert à la rue princesse. On dit on a besoin de toi. On maquis le Shanghai. Je n'avais même pas chaussure. J'avais seulement mon débatteur Adidas. Avec ma culotte bleue. Je me rappelle comme si c'était hier. Arrivé dans le maquis avec voix en plaisante. On disait quel bébé ça là. J'ai pris le micro. J'ai tué au Shanghai. C'est dans ça là. Il y a un Bengis que vous connaissez. Aujourd'hui il est devenu chanteur. Il s'appelle Roland le Bengis. Si vous le connaissez, applaudissez. Il est venu me voir. Il a écouté ma manière de chanter. Il dit je vais te mettre en studio. Mais je ne savais même pas quoi chanter. Le lendemain, on me dit que mon meilleur ami Jonathan est décédé. Il était parti sur l'autre.
il devait partir à Bengue. Et puis il est mort la veille de son voyage. Tellement que je l'aime. Quand je suis rentré au studio, c'est là la inspiration est venue. Et puis j'ai chanté Jonathan. Jonathan. C'est sérieux, c'est ma vie. Espagnolien. Jonathan a commencé à marcher. J'ai commencé à faire jeton. Mais je ne respectais pas l'argent. Je prenais ma famille pour aller faire la fête. Du premier au 31 décembre. Je ne savais pas que musique ça pouvait tomber un jour. Dans ça là, cette femme est venue avec amour là-bas. Ma musique est tombée. On m'a bien plus pour les spectacles. Il n'y a plus jeton dans la poche. Tous mes amis m'ont quitté. Sauf Olo Pacha l'empereur. Sauf Oscar Le Mozare. Un jour on m'appelle, on dit Europe, on a besoin de toi en France. Je n'avais pas de portable parce que j'étais devenu galère. Même les gars avec qui je sortais, elles ont pas tout goût. C'est mon frère Saint, Oscar Le Mozare. Petit, passe mon sang qui Oscar. Aujourd'hui, on dit je suis impoli, c'est normal. Aujourd'hui, on dit je parle mal aux gens, c'est normal. Parce que quand j'ai galéré, il n'y avait pas quelqu'un. Quand j'ai eu bien, j'ai plus rien eu. Ils ont tous peur. Tu me respectes, je te respecte. Tu veux te connaître, je suis ta maman. Si tu es trop fâché, j'attache crotte et puis tu te parles. Parce que quand il n'est rien, c'est lui venait sa moto, il venait le chercher. Il sortait un go. On a volé télé le go, la go là, il y a son marché. On a volé télé là. On s'est conduit aussi derrière télé quoi. Il y a certains Jonathan, on avait pas de télé là. On a vendu ça combien? On a tout ça. À combien, combien? On a vendu ça 20 000. On a vendu la télé, c'est pas placement. Vous voyez les petits télé carré comme couleur. 20 000. Bon, lui aussi, il ne pèse pas tous les jours. On a un rendez-vous, on a la zone 4, et qu'on appelle toi et moi. On a managé le goal à moi. J'ai Aïcha. On y a la gemme, on a rien à voir, j'ai tout à l'autre, c'est un peu. On l'a pas, j'ai l'empereur, on peut lui dire, on fait ça.